parti dans sa lieu, je dis à vous là pour Queens, peut-être que nous allons assister avec une exposition qui va être plusieurs à suspense. Et moi, je suis carré pour la petite soeur, je suis un peu plus de M. Babo ici. Et une artiste à eux, c'est Mario Axton, on a surpassé de représentation. Dès qu'il y a un sentiment, l'autre exposition est qui vient tomber là, c'est juste les États-Unis pour mettre, c'est le ça. Nous sachons Mario, ça fait longtemps, et je vous félicite. Parce que nous sommes bien pêchés dans coup de peinture et nous allons parler de ça. Donc, comment vous y êtes? En forme de mari, je suis venu, nous avons perdu la peinture, nous avons travaillé d'arrache-pied pour nous capables d'aller plus loin, pour nous capables de concrétiser. Ok. Semaine, ça, comment vous dites, depuis semaine passée, c'est exposition sur exposition, des possibilités pour participer dans la cour des États-Unis, et nous ne pouvons pas vivre par vous ici. Qui ça s'appelait? C'est comme chaque exposition à l'île qui fait une nouvelle porte sur l'autre exposition. C'est comme on émerge. Aller dans une exposition, ce n'est pas seulement pour vendre un vélo, mais aussi pour rencontrer des critiques d'art, pour rencontrer des journalistes, pour rencontrer des personnes exactement qui n'ont milieu artistique, qui sont capables de faire proposer une autre exposition. Donc à chaque exposition, c'est toujours une autre. Surtout les rois font un travail pas choquant, mais plutôt qui attirant. Donc ça va permettre à chaque fois, toujours jeune des invitations pour exposer les œuvres. Quand on regarde les tableaux, nous là, ici dans la Coutance, on sent une vision moins faire une bague de moins du travail, une vision de pinceau, que vous avez gagné lorsqu'on a regardé les tableaux, un petit voir pour vous faire, et qu'il y a cette idée de changement qui fait. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer nous un peu de changement ça? Est-ce que vous venez de ça pour apprendre, de contact avec l'expérience qu'on fait, tout ça? Côté changement ça ressorti. Ok, changement ça c'est que à chaque fois que tu travailles, peinture c'est l'enseignement artiste pour toujours à faire des recherches. Donc pour toujours à battre pour faire des travails authentiques. Et à chaque fois, on cherche l'authenticité, pour toujours faire un genre pour gagner un bagage en plus. On cherche des textures, on cherche travail avec des médiums, des nouveaux médiums qui peuvent permettre de déboucher sur l'autre bagage, faire l'autre expérience. Et après, tu vois, donc je suis entré au Canada, je fais un baccalauréat en art visuel et médiatique, je fais une maîtrise en enseignement des arts. Donc moi c'est tout le bagage ça au moment où en plus qui a ajouté sur ma qui a ajouté exactement. Donc ça vient faire aussi tu es bien en potentiel qui sont doués faits pour son parce que mon artistique est tellement large. Donc on suppose toujours après le travail pour apparaître. Donc mais avec ça me t'a gagné comme artiste autodidacte, plus l'école là, ça vient faire Et nous vous félicitations parce que le changement est vraiment marquant. On puisse faire une ouverture sur le monde de façon générale. Mais il faut mentionner tout, présence de la femme, tout la présence des femmes dans l'œuvre, est aussi fréquente par contre que vous faites remarque là. Au moins parce qu'on a dit qu'il y a un domaine qui dominait les villages réalisés, vous dites est-ce que c'est une présence que vous réalisez ou même est-ce qu'on a une explication pour ça? Ok, présence femme dans l'œuvre, ce n'est pas un hasard. Donc moi-même, je trouve que c'est la plus belle créature qui a existé dans l'univers, c'est la femme. Donc moi, toujours valoriser les femmes dans tout ça m'a fait. Moi-même, je ne pas pour dire chanellement, mais je toujours gagner une présence saine. Comme si nous n'avons pas été tellement en importance, et pour être comme si nous avons fait, genre, on été. Comme si 6 mois été seulement, si nous avons vécu, la grandi bien. Et puis, femme, c'est comme si moi je me sentais sans femme, je ne pas d'âme. Pas de c'est source de presque. C'est source d'inspiration, ça, c'est la femme. Donc, m'accorder un gros place dans l'œuvre. Et toute œuvre, majoritairement, gagne en femme là-dedans. Okay. Bon, lorsque nous avons Mario Aristène, nous avons basketball, comme tu as dit, qui est pour aller, nous avons musique, et c'est aussi nous sentir vraiment pour prendre une carrière musicale, nous faire un peu plus sérieux,
Je me connais, est-ce que c'est ça que ça m'ouvre? Vous voulez avancer plus dans la musique? Et est-ce que c'est un bagage qui est facile pour gérer la musique, la peinture, et plus l'autre bagage que nous pouvons faire? Oui. Vu que je suis toujours en faire musique, la musique n'est pas primée sur, par exemple, ce tableau ou sculpture. Et la musique, là, c'est un autre accompagnement lié pour moi. C'est un autre moyen pour inspirer, pour me jouer l'inspiration. Donc, des fois, on supposait toujours à faire un bagage qui a un rapport avec l'art. Sinon, je me sens manquer un bagage. Donc, la musique, pour moi, c'est un support aussi. C'est un support émotionnel, c'est un support, il n'aime pas mon tableau devant, moi écris un texte, c'est comme c'est lié, tout lié. Parce que écrire un texte musical avec concevoir un tableau, une peinture sur une toile, c'est même pas grave. Parce que chaque peinture, il y a une histoire derrière, et chaque musique, tout, la majorité, mon histoire derrière, mon bagage derrière, la raconte. Donc c'est la même chose, c'est le même enchaînement. Peut-être que la musique n'est pas trop parler, mais une fois de temps en temps, je fais une petite musique juste pour me sentir bien. Je me sentir bien, me sentir existant. Ok. Pendant que nous avons parlé, les gens comprennent la musique là. L'Occhita, pour peindre un tableau. Peindre un tableau, qui ça veut dire pour Mayoy? Peindre un tableau? Peindre un tableau, c'est donner vie avec des entités. Parce que chaque mouvement, chaque forme qui peut exister, surtout dans l'abstraction, vous mettez son tableau, c'est une existence ou pas une entité. Soit spirituel ou n'importe quoi. Un tableau pas juste une œuvre d'art comme ça ou juste derrière. Il n'y a pas quel bagage derrière. C'est nom et un artiste. C'est émotion artiste. Parce que l'artiste a fait tableau, il y a un nom là-dedans. Les émotions sont parties dans la ville de partager avec nous. C'est la raison ça qui fait un tableau qui n'a pas quelle valeur, c'est un tableau qui a vendu 120 millions. Parce que le moment artiste là partagé avec nous sur toile, c'est un moment dans la ville de partager avec nous. Donc, son toile est tout ça là. Donc, émotion, qui est content, qui n'est pas content, et l'on en amour. Donc tout ça fait partie de la vie ou donc on fait, on mettez sous toile, on mettez en chanson. Donc c'est ça. Sous une toile, c'est un plus beau moment. À chaque fois qu'on fait, c'est un beau moment à passer. Parce que c'est comme si on petit ou mettez sous terre. Ouais, Samson, c'est comme si on va coucher un bébé ou mettez les boubales. Après 100 ans, on mourit, peuvent s'arrêter là. Qui est le souvenir pour gagner de la peinture? Et il y a un gros souvenir de la peinture. Il y a deux souvenirs. Il y a un souvenir en Haïti 2004, quand il y a un gagnant dans le concours et l'institution de réparation, il y a à peine commencé. Il y a à peine commencé. Après ça, il y a un souvenir de première exposition, non, deuxième exposition que j'ai faite à Montréal. Ça m'a terminé l'étude baccalauréat dans l'Université du Québec à Montréal. Et puis, et recteur université à Nadim, où son artiste a compris. Je me demande pour qui ça. Il dit, moi, suivre pour elle. Moi, faire et entrevue à tout étudiant finissant. Ça prend 30 minutes. Il y a une heure et demie avant. Il faut qu'on parle tellement lui joint des bagages, lui joint dans l'échange. Et puis, monsieur dit, Kimbe, il s'est dit pas la culture haïtienne. Il dit, non pas qu'on va faire un mélange de cultures. La culture, c'est une bonne position pour faire ça. Exactement. Donc c'est ça qui fait tableau. Et des fois, par exemple, si on est haïtien, ou est des côtés haïtiens, des côtés, moi-même plus les tableaux, par exemple, moi-même, on attire du monde. Ok? Côté que des fois, si vous voulez faire ressortir un problème qui a rapport à pays, moi faire. Si vous voulez faire ce un bagage qui a un rapport avec un problème en Chine, en Israël, moi je fais. Donc moi pas esclave culture. Pas limité. Pas limité. Donc c'était un petit peu moment de passer célèbre tel université à tes études. Marc, si tu as un conseil pour ta bail, une jeune fille, un jeune garçon qui t'a vraiment parlé, c'est qui ça date?
peinture, ça m'a dit un pile travail, ça m'a dit amour, ça m'a dit patience. Et en plus, il y a un pile confrontation. On va le confronter avec parents, famille. Et mon société, des fois madame, des fois petit. Parce que c'est mon choix qui facile l'autre, ils sont artistes, ils vont le faire tableau. Parce que nous n'avons pas où l'argent. Nous n'avons pas où l'argent. C'est notre côté qui dit l'argent immédiat. Non, pas que l'argent immédiat. Donc, qui sont prêts à le faire pour nous là? Si nous ça qui est talent ça. D'abord, le travail. Le travail d'ici, le travail d'ici. Et puis, nous l'école en même temps. Nous avons l'école en même temps. Et puis, nous avons un bagage intellectuel plus bagage artistique. Ça va le faire de lui, il y a un artiste. Un artiste qui prête pour parler du travail. Et de ça, en mille bagages qui n'ont pas à penser de artiste, donc il a fait artiste par la commune. Parce que là, c'est tout non au monde. Donc si le monde remet à faire A. Faire A, mais en même temps à l'école. À l'école et puis faire A. Et puis il y a mille bagages. Tout le monde qui aime faire tableau, faire peinture, mais en même temps à l'école, qui veut l'école là-dessus. On va limiter. Tout va limiter. Parce qu'on a tout ce qui est limité, on a un gros problème. Ça là, nous avons parlé de présence du corps de la femme qui surtout domine les œuvres. Mais bon, tu l'as tellement même par contre, si pas une bataille, on fait interview ça. Donc, il y a un caméra maintenant. Bon, nous zoom sur force à pour qu'on capable d'expliquer nous un peu et combien de temps il prend pour réaliser une belle. Moi, je voulais une belle mais créole, mais à partir de son sortie, je n'ai pas voulu écouter seulement pour moi sur une créole et parler un petit peu de cette femme. Combien de temps il prend et qui ça s'est symbolisé pour moi? L'aimant fait, par exemple, sculpture ça. D'abord, le temps encore pas à contrôler parce que je dois faire 6 mois là, je commence et je vais finir vu avec le travail qu'on fait. On est passé bien à aussi. Donc, il y a plus de place à faire. Donc, ça fait pas un baguette pour finir. Le pas à prendre temps, pas temps. Mais si je mets ton temps, je consacre encore seulement, je suis capable de faire 3 mois. 3 mois, raison de 4 heures par jour, 6 heures par jour. Mais, et deuxième volet question, là, c'est qui ça dit symboliquement. Donc, c'est même réponse que je n'ai pas vous d'aller. C'est plaisir pour moi, ma sculpter en forme. C'est tout mon plaisir pour moi, ma sculpter en sein en forme. Ma sculpter en visage en forme. Tellement il y a autant de blessures. Par exemple, pour avoir un visage et une sculpture, ça, il y a un regard perdu. Il n'est pas fixé, il ne va pas se garder. Viens là, on ne peut pas garder. Viens là, on ne peut pas garder. Mais il y a un regard perdu. Vous comprenez? Même pas de garder personne. C'est le moment que là. Et pourtant, moi-même, j'ai pris plaisir pour me garder. Et parce que c'était en vrai, là, moi, c'était une première bagarre qui a attiré l'attention. Par contre, je ne peux pas garder ce grand Chanel, mais je garde pour en plus raison, ce n'est pas pour Saint seulement. Mais moi, le travail, là, le raffinement qui vient dans le travail, là, c'est vraiment à féliciter. Donc, mais est-ce que pendant ma fête là, je vous dis là, est-ce qu'on pense avec une femme haïtienne, je vous souhaite la femme de façon générale, pendant quoi réaliser là? Ok, d'abord, ma réponse. Par exemple, dit, si vous regardez mieux capable pour Chanel, je vais faire comme si vous avez une partie d'hypocrisie, ça que pour moi mieux comprendre. Nous tous Chanel, nous tous très mes belles femmes, nous tous très mes gros femmes, nous tous très mes femmes, nous tous. Je ne vais pas penser à fixer. C'est ou ça? Vous devez fixer, c'est une belle partie. Je ne vais pas comprendre ça, Mario. Vous comprenez? Donc, nous devons fixer. Après, et tant que vous dites, l'autre question c'était. En réalisant cette œuvre, est-ce que vous avez gagné une femme haïtienne dans tête ou du moins ce regard de façon générale sur la femme? Chaque femme appelle, par exemple, il y a une expression. Nous peignons une femme selon l'expression qui vient. Des fois, elle est haïtienne, des fois, elle est une femme étrangère. Des fois, elle est en africaine, elle est en américaine. Nous peignons des tableaux avec des anges, des femmes blanches aussi. Vous comprenez? Ça dépend de ça qui vient. Pas l'être limité seulement sur femme haïtienne. Nous, on est femme haïtienne, nous, baiser tous les yeux. Nous, on comprend ça, mais. C'est en général, toute femme, moi mette un chapeau, un honneur, une valeur sous tête, toute femme qui vit dans mon plan.
Donc moi je vous remercie que vous avez pris, parce que vous connaissez bien quand il y a pris le temps, nous. Il faut nous avoir quelque chose à parler avec l'autre artiste surtout. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, nous sommes contents. Déjà nous sommes continuer à marcher de progrès en progrès, nous voulons tout comme petite, si quoi, comme petite haïtienne, nous sommes vraiment fiers de vous pour tout ça qu'on réalise déjà. Et nous voulons dire que pour ça, nous avons regardé là, je dis, il y a un pile de bagages toujours, nous connaissons, nous espérons qu'on va faire. Merci Marie, merci le fait que vous déplacez, vous venez là, ça c'est un gros bagage pour moi. Vous débarquez à toute famille, vous comprenez ça, vous remercie. Merci tout le monde qui a regardé l'émission ça. Et vous souhaitez tout le monde, toujours encourager ça qui a fait la caille, toujours encourager les jeunes, toujours encourager les talents. Et puis on a toujours fait parler de pays, nous, de tête, nous, et on a pris une valeur, un monde important dans la société. Merci tout le monde qui t'a suivi, nous. Ensemble avec Mario et non pas M. Marie Fontaine, nous espérons que nous jouons le moment que nous avons passé ensemble avec moi et mes noms.